Bandeko balandi topesi bino mbote bisika bozwami ezali émission na bino émission na biso tolingaka émission o ezali komemela bino ba nouvelle en même temps ezali ko pesa bino ba information hein, sur certaines informations actualités que vous ignorez et on essaye quand même ya ko kota na mozindo ya masolo o bino bozoyo ka bazo betela bino parce que balobi boyo kakaba o ba yo lbete la bino bazaba du domaine te bazaba expert te libanda c'est mieux ya kulanda ba o bazali ba expert bazana kati ya ba regroupement différents regroupements ya partis politiques parce que bango bazali mieux informé que biso ba o tozotala yango libanda alors na mokolo ya lelo to yambi moko na bino wa bingami na monsieur na maître Pichu Malou azali ya regroupement ya parti politique RNL à qui je m'en vais dire directement Mbote et puis Boye Bolamo. Mbote, la grande dame de la presse congolaise. Oui, c'est Maître Pichu Malou, coordonnateur national de la dynamique des jeunes pour un Congo nouveau, membre fondateur du regroupement politique Alliance des réformateurs pour un nouveau leadership RNL, dont l'autorité morale, c'est l'homme école, et dirigé par le président du CEI, évêque général Yeidja Kalakala. Je vais directement rendre grâce à Dieu et puis saluer la volonté politique du chef de l'État dont je suis le communicateur attitré. Et je salue aussi l'engagement de la population congolaise derrière la volonté politique du chef de l'État. Communicateur attitré, ça veut dire la bouche autorisée même, chef de l'État. L'oreille, les yeux, l'oreille et la bouche du chef. Alors, j'espère que vous avez une réponse à Mitouna Labusso. Parce qu'il faut d'abord tout le bila, Mambo Itali, Carnage et Salamina Goma. Bah, lobby, décision et outaki, la présidence. Parce que tant que bah, GR bah, exécuté, c'est que bah, exécuté qui ordre mon outil l'écolo. La faute, topé sangona chef de l'État, topé sangona oazale qui gouverneur, ou le loba ramené na Kinshasa. Tout, topé sa faute, la ministère de la Défense, ton intérieur. Merci beaucoup, madame. Aujourd'hui, nous devons d'abord comprendre la forme de l'État. Ce qui est d'abord à comprendre. Nous avons un État unitaire fortement décentralisé. Ça veut dire que nos provinces sont des pays à miniature au sein du pays, auxquels nous avons des institutions établies, des gestionnaires des provinces, qui représentent valablement le chef de l'État. Oui, vous pouvez dire que c'est l'ordre du chef, parce que vous avez vu les gardes républicaines qui sont au service du chef de l'État. Mais ce qui est vrai, c'est la réalité des choses. Parce qu'il ne faut pas voir le fait, il faut plus aller voir la cause. Qu'est-ce qui a causé? Qui ont donné cette orientation? Ce n'est pas pour rien. Vous avez vu Bomoni Banso descendre rapidement. Il y a VPM intérieur, VPM à défense. Tout ça, c'était pour enquêter, s'enquérir la réalité. Où est ma Kamboli qui kouna? Pourquoi faut que Bomoni Zali et Sengo, il y a Félix Tshisekedi, puis Koutika n'a jamais causé le Sengo à chef de l'État. Tout est bisso balobelinaï. Koukou Faba Congolais, ils allaient combattre mon néné au Mokonzambo qui a s'engagé pour n'a pas longo la liwa. Il y a un massacre bon on a katambo qu'on a bisso au ils allaient héritage au batiké la bisso dans le pouvoir à 18 ans. C'est ça la volonté politique du chef de l'État. Bah M23, bah Zoboma. Bah, GRP, bah, Zoboma, finalement, nous avons protéger, à devrait protéger la population. La responsabilité doit être établie. Voilà pourquoi Bomoni va rappeler à l'ordre le gouverneur militaire, pour avec qui gestionnaire dans la place, pour que Aya Otalisa, Boni Boni, Bato Bakoufi, nous avons ça qui m'est dit, pour nous avons dit que nous congolais. Ça n'a pas à chanter, parce que c'est qui volonté à Mokonzamboka. Jamais VPMO va quitter Kuna Bako qui démission en attente parce que c'est le chef de l'État d'attendre qui va quitter Kuna Bayeba. Et puis Koko Makuna est directement va rappeler à l'ordre le gouverneur militaire, la base Bolandi, puis officier Mokomi Bali au Bakangi Bango pour que Baya se justifie, va expliquer tout et Bandi Poni, Kozamondoki, Kobeta na Kongomani, Kozali Komarché pour la volonté intérieure, les droits constitutionnels. Donc, c'est-à-dire que le chef de l'État reconnaît au moins la pratique
y a état de droit dans mboka na biso où ils avaient vraiment cheval de bataille naye. Donc le peuple azali na moyen yaye pour s'exprimer, c'est à travers ma manifestation où ils avaient droit constitutionnel qu'on ne veut pas, on peut pas se mettre, peut pas surpasser ça ou mettre ça de côté, et ils ne méritent pas aussi être subis na ba répression à dimension. Donc nous condamnons fortement ces genres de répression na population na biso congolaise. Barozala bat GR ou anbaza la traduit en justice parce que baza ba indiscipliné au du coup le ordre ya bango ya ko kita kuna ezaki ki ou te pas président de la République et ba GR parce que le VPM de l'intérieur, le VPM de la défense, donc délégation et kita ki kuna, c'est de l'ordre du chef de l'État pour ne pas qu'il ne puisse s'enquérir la situation où il y a massacre ou la population. Ah d'accord, ok. Dans Mokonzambo, quand le col a zali mouumbu ya peuple, le col a zali moto a zali pour travailler pour la démocratie en Mboka na biso, pour que paix et zonga na parti à est na biso, à se peli à tamokete na biso pe baletna na eto, se peli à tamokete kota la ete makile ya kongomani etanga. Pourquoi? Parce que Bazali a revendiqué le droit à Bango. Donc, ça ne pouvait pas être ainsi. Il y a un monde qui a instruire le gouvernement qui a été sur place, il y a un peu d'intérêt à Zali qui a été, il y a une défense à Zali qui a été, une affaire sociale à Zali qui a été, pour que l'équipe qui a été, qui a une responsabilité à justice. Et ça, la moussa, pour que l'auteur, le co-auteur, va subir sanction à justice. Mais c'est ça, donc le dossier maintenant est pendant et doit être ouvert au niveau de la justice par rapport à la responsabilité au Yokozala. Donc, premièrement, il y a un monde qui va interpeller le gouverneur militaire, il y a un monde qui va interpeller l'officier, le colonel, pour qu'il y ait un monde qui va expliquer et bandi boni kongomani akufa les sous. Mais tu as vu qu'il y a une élection, état de siège, déjà ce que tu as dit, il y a un malam pour échouer. Il y a le pouvoir, continuer quand même l'analyse. État des sièges pour échouer. Carnage, il y a eu poids sur échec. Si quoi la population est Kuna, est-ce que vous êtes vraiment sûr que la souffrance va endurer pendant tout ce temps, surtout il y a état des sièges? Vous votez Bino Lissous? Maman, ce qui est bien, c'est que vous avez eu l'Est à travers état des sièges. Ce qui est intention, intérêt à bien chef de l'État à quitter, il y a une mission rapidement. État de siège, et ça était aujourd'hui l'État vivre dans la partie Est. État de siège, ça dit que la partie de la mission est à la Balkanie. Mboka na biso est à la Balkanie. État de siège, ça était minéré dans la mission et bimali sous terre. Il y a un monde qui est mokomoko ou profite de rire, il y a un été levé. Parce que sans état de siège, qu'est-ce que ça devait être la partie est du Congo? La banziété. Quand on a dit que Maïmaleki te condamné, ce qui est la volonté politique qui est à Mokonzamboka, ce n'est pas parfois la volonté politique qui est passée. Parce que l'insécurité à est, c'est Zali, au bisot au Kouti, créé par le régime passé. Parce que M23 a collaboré avec le régime passé. M23 a dit maman qui le coup la partie politique, le règlement politique ici au Congo, a créé le ministère intérieur à l'époque de Ndeko Kabila. Voilà pourquoi je dis que Kabila c'est un criminel politique. Mais tout ce qu'il y a au la garde républicaine à l'époque, c'était Bété Massassina civil. Voilà tout ce qu'il y a au monde à l'époque à Kabila. Maman, tika na ebisao li solo parce que vous allez nous la solo à Congoman et tika. Maman, babom, bat, n'a bien. Au moni, Kolinga Susu Kotia Mbeli na potate. Parce que mon konzambo quand le baïbe qui a dit qu'on fuyait n'a pas cété. Parce que ce que tu fuyais n'a pas cété, c'est terrible. Ma répression au bisot aux joies n'a pas au n'a pas garde républicaine au Congo n'a pas. Ma répression aux joies n'a pas au n'a pas pour le Congo n'a pas. Bisot aux joies n'a pas. Mais c'était pas facile. Mais bango bazaki discipliné. Non. Non. Madame, le raté. Oui, salami et koki kolo. Depuis mon konzambo quand j'ai mon konzi. Voilà pourquoi directement il a frappé sur ça. Depuis mon konzambo kasu. Mais ceux qui t'ont dit, tous sont assis. Maman, tous sont assis. Mate po. Il y a une manifestation. Moko y a anti-monis. Koko bo sanate ba civil pe ba koufaka. Nazoye bisao li kambo moko. Maman, au moni est ya wana. Et ça là qui conglomérat. Y a ba criminel politique et économique. Y a mboka na biso.
Aujourd'hui, les lois sont beaucoup plus souvent des pays producteurs en non-récoltant. Peuple congolais, vous avez dit. Pourquoi le Rwanda n'est plus le pays producteur en non-récoltant? C'est à cause de l'état de siège. Maintenant, qui fait mieux, qui fait mieux? Voilà pourquoi. Je vais vous dire une chose. Vous savez, les relations bilatérales ne sont pas exclues entre les États. Ce qui est en Moussoussou, avant que ce soit bien, Nandeko Kabila. Mais il a dit que bon, si je vais être franc avec vous, pour collaborer, on les a approchés. Ils ont été soumoutés. Mais tant que tu as Bangonde Bazali, il y a hauteur à M23. M23, ils ont été Rwanda. Voilà pourquoi il y a eu séparation. Et puis il y a eu dénonciation. Aujourd'hui, le pays, le chef de l'État a monté très haut pour dire que c'est le Rwanda. Par les biais du M23, c'est parce qu'on a agressé le Congo. Le M23, c'est un mouvement terroriste qui était difficile dans l'époque du régime à Kabila, qui était acceptable. M23, c'est une armée acceptée ici dans le Congo. M23 a versé de militaires, des troupes, des officiers. Si aujourd'hui notre armée était inféodée, c'est à cause de brassage, de mixage. Il y a M23 au Kabila Ndima qui est un théâtre, théâtralisation au sein de l'armée pour que le pays soit balkanisé des intérêts du Congo et du Rwanda. Mais aujourd'hui, le Rwanda n'est plus le pays producteur en non-récoltant. C'est bravo Félix Tshisekedi, bravo état de siège. Alors. Mais qu'à cela ne tienne, c'est à cause de l'infiltration au sein de l'armée. Mais voilà pourquoi le magistrat suprême, les commandants suprêmes, les déterminés dans le Kosunga, peuple, à sali réforme au sein de l'armée, recrutement salami, plus de 20 000 militaires au Bazali déjà formés. C'est pourquoi c'est pour laver, nettoyer l'armée Nabiso. Vous l'avez dit, l'eau, armée Nabiso. Mais infiltrer Bazakaka. Il y a un azomi tout n'appelé bagarde républicaine. Mais infiltrer Bazakaka. Nous sommes en train de faire les toilettes. Le problème, c'est quoi? Akoka qui ça là, tabou la rasate. Parce qu'il devait avoir le fondement. Mais aujourd'hui, tu as dit que les fondements sont déjà là. Il y a un monde qui est moko na moko azali ko zoma malembe malembe. Armée n'a pas dit que les Congolais pissent. Mais les autres qui ont été calamés, ils ont été en voter, ils ont été en train de réformer, ils ont été armés. Ce qui est le Rwanda, le pays producteur à nos récoltantes, c'est grâce à l'état de siège. Et c'est un peu téléphonique, c'est ma boucle. Je suis en train de me dire que je suis en train de me dire. Si vous avez voté, ce qui est le cas aujourd'hui, le cannabis. Depuis Ezala Congo, tout ce que vous n'avez jamais dans un laboratoire, il y a raffinerie, il y a matière première. Et bien, les gars, ils m'ont pris. Mais aujourd'hui, à travers la volonté du chef d'État, matérialisé dans le cadre de la CEC, aujourd'hui, et produire dans le Congo, dans le laboratoire moderne, où il y a une matière première, il y a une traité. Matière première, la semi-première, à travers le ministère Yamine. Et vous avez traité à l'égoïsme. C'est ce qui fait que la confiance à peuple les gens dans le monde. Donc, le Batali, j'ai Camille et l'Ozali qui ont produit pour l'intérêt en Boko. Au lobby était Kamaki. On a perdu plus de 7 milliards. Mais tata mon compte, c'est en Boko. Mais à l'Obaki, c'est quoi ça? Ce qui est Batali, c'est que Batali, c'est une gratuité, c'est un message. Maman, tout ce cas. Mais le bas qui pose à la satisfait dans le monde. Quand on a les lots, dans les réseaux sociaux, on a tout. On a tout ce qui est là. Pour que Mbouk n'a pas de la moto. Parce que quand tu as armé la biseau par Rwanda, il y a un biseau qui est M23 à Versailles qui est officier. Il y a un militaire des troupes. Si tu as engagé la guerre dans Rwanda, mais tu as tout ce qu'on a fait. Le coup là, c'est un grand politicien avéré. Il a dit non. Il y a un état de siège, il y a une porte. Il a bloqué, il y a un intérêt, il y a une force, il y a une base. Il y a un minéré en Mbouk. Et il y a un soutien. C'est ça l'avantage aux politiques, aux Mbouk, aux Mbouk, aux Mbouk. Mais aujourd'hui, bazali heureux
Les lots, il y a Wi-Fi. Nous avons besoin de nous dire qu'il y a une peine, qu'il y a une équipe. Wi-Fi est déjà mal. Tu as les loyaux, tu as un homme qui a une université, tu as une université et tu as une robe. Oui, mais aux autres, tu as une robe. Tu as les loyaux, tu as une peine, tu as une robe, tu as une robe, tu as une robe, tu as une robe, tu as une robe. Mais ça déjà un projet amorcé par le président Joseph Kabila, l'ex-président. L'intention était, mais la volonté de faire n'y était pas. Ils allaient quoi? Ben une intention de lancer gratuité de l'enseignement. Ben j'ai une bonne mille écoles, ben liens. Mille écoles et tout le monde. Mais mon conseil bon cahier à mettre en pratique. Botori combien? Oh biso. Oh là là là. Combien? Maman. Quel est la Kassai ça? Quel est la grand Kassai? Bakulu na o lobby ba yako boma bango lokwa ba nyama mwana wa botami mboka ndefo za prise en charge na ye mais akomi kulu na par rapport ya volonté politique mboka mboka so ezuye e bani ko boma ye mais lelo tata mokonza mboka à travers service national oui kama mi bongo na mon général Kasongo Kabwik que je salisse son patriotisme ta lelo bakulu na batongi ba école. Plus de 15 écoles construites. Mais ça, yo osa ye aso est-ce que babukinda konai babukinda konete bafungoli kaka nzela o ya kanga ce sont des antivaleurs tous les amis que Kabila c'est un criminel politique et économique du Congo yo oso mbinda osi sunzela okangi poane ce qui ont dit au lingami le peuple o barricader ba les gater poane lelo bafungoli parler de mab poane ba parler de ba parler de balobite lelo parler de la nation nzela yango de fungoma poane ba déclarer te poane tata mokonza mboka ko bateke nte nga pe paye biro na ngai. Insécurité, faut. Mais non, pour comprendre que l'homme du peuple qui vit avec sa population a dit qu'il est là pour faire qu'il habite tranquillement. Mais pour vendre tout ce temps à réagir, bon côté, quand maintenant, là, tu as des verbes. Non, ce n'est pas tout ce temps. Parce non, qu'il veut, bah, qu'elle ait ma fleur. Bon, excusez, français, bah, qu'elle ait ma fleur. Bah, qu'elle ait ma fleur dans l'olé. Bah, qu'elle ait ma fleur dans mon salam, malam, mon tata, mon condazali, comme ça. Mais y compris. Nous là, on a eu un fongoli. Est-ce que les alliés pour la fongoli pour la maman Marthe, maman Boboto? Maman Boboto, mais bah, le bien, elle y mettait peu de maman Marthe, n'a pas été comme ça. Non, qu'elle est côté la maman. N'a pas dit ça, yo, ma gamba solo. Qu'elle est côté la micro dans la caméra, n'a aucun débat. Toko, qu'elle est. Nous les appelons. Nous les appelons. Bah, tu bagoules, bah, coco, tu bagoules. Bah, tu bagoules, bah, voisine, bah, voisine. Mais sur le terrain, les quartiers sont bouclés. Mais non, pas ça, c'est obligé de battre sur tout. Ou l'équipe est mon maman, ah, bonjour maman, ah, moi, je suis bon, ah, maman, maman, bobo, tu es l'équipe ma casimi. Alors, tout le bela, au Bino Boutier, le ministère plutôt stratégique. Tout le béli Jean-Pierre Bemba. Tout le béli Vital Kamerhe. Na musala o bango ba pesa ki bango fallait ba sala. Totali ko to économie to zo mona ngonde zo kende. Population aza satisfait à ta mukete. Na lika moni. Oh, social nae. Dollar yango wana to zo kende zo kende continue ko mata. Stabilité à dollar tile le bo promet. A prometa ki? Est-ce que vraiment to continue ko compter sur bango mibali? O moni parmi basi a minene. Il y a communication, il y a journalisme. Mboka, oh, tu es aux parmi. Vous allez monter en puissance. Vous êtes une fleur qui est tentée de fleurir. Vous êtes au tombe.
Merci déjà. Comme ils cotisent problématique et économie, ils ont des problèmes mondiaux au bisou tout petit ango. N'a pas de pouvoir Covid. Est-ce que Félix est une beauté Covid dans mon date? La guerre et Ukraine sont nous. Mais c'est ça le problème de l'économie en bois, le monde entier. Le monde entier est Ningana. L'économie en monde entier, mon Ningana, l'école à Covid. Faut vous féliciter Tshisekedi. Tilelo. À travers Covid, mais il a pu quand même gérer le pays. Tilelo. Il a stabilisé le Covid en haut. Mais je vous dis, l'économie a été basculée à travers Covid, à travers la guerre Ukraine. Tozongi non a pantité. Je vous dis qu'aujourd'hui, hausse de prix, c'est partout aux États-Unis d'Amérique. En France. Au Canada. Ils vivent le même problème, Nabi. Je vous dis que plus que même Bissot, plus Bazola Nangaï, je salis pas la France. Et si quelqu'un est fils de Kabou Nazaliwa. Bazo pesa nga ba image. Et si kakani biloko emati banda ko emati 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 fois 4 fois 5 biloko na ba supermarché emati fois 4 fois 5 stabilité monétaire. C'est tout ça ezali conséquence ya Covid, conséquence ya guerre Ukraine. Mais au moins nous sommes le pays le moins cher na litre ya carburant. Dans nos systèmes affiliés, si fonctionnement, intérêt à peuple. Lipa et Mata, Tilelo. Nazo yebi ça. Fuku tu n'en parles pas. Nazo maman et nakenara wendi. Na Chicago. Nunda et Mata. Na pesio exemple, on a Chicago Bills. Toi la roque nami kini. Batubado qui m'a porté basozo ngaki chasa. Pour une vie comme cher. Batubado qui m'a mis ba mikili se basozo kuzo ngaki Congo. Vie comme cher. Na poto. Si quoi, bah moi bah mon pays bah plus démocratique. Oh bah si bah pas dit ça démocratie qu'on est. Mais aux autres qu'elle avait capoanini pour atti à lobby qui candidat na IEP côté ya. Ezali quelque politique na Eza Félix. Voilà, ezali volonté politique na que nous saluons. Ezali volonté politique na que nous saluons. Mais les travaux. Mais les travaux aussi sur terrain. Nous sommes en train de ça parce que oh, il a trouvé, il a, je vous dis que le système économique ezali dit y a bah problématique ouana. Donc et puis de deux, même si c'est condition. Et nous avons trouvé l'économie extra-vertue. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a ramené notre économie extra-vertue. Ce sont des conséquences néfastes où ils ont permis que l'économie et ils en ont toujours la bascule. Parce que nous sommes gérés par les expatriés. Notre économie est si même bien expatriée. Ce qu'on a fait, ce sont des expatriés. Au second, on a bâillé des fonds congolais. Mais tout ça, ce sont des problèmes où on a besoin de récupérer l'économie. Voilà pourquoi le pays doit être appelé maintenant à l'industrialisation. Voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, en dépit de Fatih Béton, Fatih Industrie. Je vous dis, Fatih Industrie. Il y a un cas à Salimini déjà. Il y a un cas à Bissayote. Aujourd'hui, le pays est allé à l'industrialisation. Il y a un ministre de l'économie. Quand le pays est allé à l'industrialisation, ça veut dire qu'il y a un il y a le ministère de l'économie, mais allez, bazu ma candidat projet tata mokonda mboka ministère économique a ce qui est venu allez, to fungola industrie. To lancer siko aujourd'hui, ta lelo na kinkole kuna. Izine lelo, cop à Dubaï et koufie, cop et koufie. Félix Tshisekedi a bomi cop à Dubaï ya bakaro. On dit maté que bo échoué. Maman nangaye. Maman. Ta la nenge ba congolais même ba pion na bino boti bo échoué na ba congolais lelo ba kotonga bandako. Caro est sous le Alix na Congo sauté. Défense et chou. Tokuta Caro et le Alix na Congo. Parce que pour nous avons ma Caro, il faut être à Dubaï. Quoi pas Dubaï là. Na kinko les gars awa. Ici na Caro yamona. Basa les bisous. Ba congolais pour débattre Moussala. Len bazu Moussala. Combien? Plus de 500 congolais bas engagé puis on a recommandé que traitement de salaire est la ningé moko na ba expatrié. C'est ça l'ordre. Voilà le président de l'industrialisation pour qu'on a bisous. Tout ce pénalité pour elle. Toki Awa, aujourd'hui, après le Maroc, tu es baka, oui, tu es baka. Nani, André Motors, à l'époque de Mobutu. Mais aujourd'hui, après Mobutu, mais aujourd'hui, Congo, Nali Mete Awa, tout ça, vous savez, rassemblement, ils ont un rassemblement, ma bise, marque Mercedes. Aujourd'hui, Madame RDC. Maman, vous avez implanté en Kinshasa. Mais c'est ça. Il y a un économie en Boka. C'est l'industrialisation. Parce que nous gérons ici. Et ça, c'est ça. Ils ont facilité de développer en Boka. C'est ça le sondage. Mais bien sûr, déjà, on a commencé à dire quelque part. La chose,
L'Afrique, après le Maroc, c'est nous. Après le Maroc, c'est la RDC. Qui ça? Fatih Béton. Plus de 500 engagés là-bas. On va donc produire 500 bis. Chômage pèse aussi la rate. Tu dois comprendre. Tant que Malembe, ça veut dire que tu as voté l'Issoussou. Malembe, tu as voté l'Issoussou. Après, tu as voté l'Issoussou. Tu as voté l'Issoussou. Chômage ici. Tu as tout à fait mis ça là. J'aime tout. Tout ce qui est en train de se faire, il y a un système qui va comprendre. Tout ce qui est aussi en train de se faire, il y a un système qui va comprendre. C'est la réalité du terrain. Mais il y a bizarre que la société d'État était déjà vendue. On a privatisé les sociétés pour, au détriment de qui? Les populations congolaises. Défense, ok. Jean-Pierre Bemba. Mais défense, il y a un système qui aujourd'hui notre armée est septième. À Tamboli déjà. Hein? Oh là là. Tout le monde est déjà tourné. Mobaïmoto. Mais tu as un résultat qui répété. Résultat qui est armé aujourd'hui, tu as une usine qui a battu. Tu as un soldat qui a battu. Il y a un qui en dehors de Fatih Béton, Fatih Industrie. Fatih Industrie. Le lot de soldats qui a battu, tu as un soldat qui a battu. Autant de soldats congolais qui sont soldats. Il y a un soldat qui a battu. Tu as un jeune qui a compris que non, il faut surtout qu'on travaille sous les drapeaux. Côté armement. Mais bien sûr, tant que tu es commis septième, ça veut dire que tu parles en la tête. Donc, je ne vais pas dire que tu es comme ça. Tu es comme ça, Rwanda. Tu es comme ça. Je suis comme ça. L'intention était d'aller directement ou faire les taboules rasa. On ne devait pas faire les taboules rasa. Pourquoi? Parce que notre armée était infiltrée. Et il y a des conséquences pures à la déstabilisation. Et le bas est infiltré, parce que c'est juste qu'aujourd'hui, oui, et on a trouvé l'armée infiltrée. Mais nous sommes en train de travailler pour qu'on récupère notre armée et qu'on va congolais. Il y a un monde qui va être mis à 600 officiers. Oh, ma troupe, il y a surtout plus de 20 000 troupes pour là. Bah, j'ai rien. Na salaire en combien binou bopiara ba officier en tout que débat député 21 000 c'est quoi salaire en combien binou bo besoin engager bana ya batwana combien yo mona na muta lobo makamona kenda bazole la paix ba soda boke de tozonga mama ba soda bazana ese zo banga eh bana ba kotanga ofele mi ke to kompe ko banga ba bosse bongo pita la kanchach tande ba bosse bongo ekola kanchach ba kotanga ofele est-ce que bongo ba vende ko fina ba condition kolia. Tant que je n'ai pas service national, je suis en Bimaki. Je suis en Bassoda. Mais c'est plus tu es en Hollande. Mais parce que je dis que je suis en solo. Je suis en solo. Je suis en Bana Bassoda. Mais Bana Bassoda aujourd'hui est déjà valorisé. Première série. Je suis en charge. Domestique, voiture, mais soldats en l'autre côté. Salaire en combien? Il y a un épisode sur base, il y a infiltration. L'État armée congolais payait l'armée rwandaise. Bon, il y a l'armée congolaise et que foutre soldats. Voilà Kabila. Mais bien sûr, mais nous avons maintenant coupé. Donc quand on se retrouve, on est comme ça à toilettage. On est comme ça, l'effectif. Et puis, mis solo, oh, ben, quoi affecté, et quoi macaté. Mais le haut, à travers la volonté politique du chef de l'État, à travers l'IGF que nous saluons, le travail que fait l'inspection générale des finances, Jules Alingué, avec Jules Alingué à la tête. Aujourd'hui, bah Tali, bah Koti, bah Monique, ah ouais, mis solo, bah nous, on capte bah réseau ou un autre tout. Oh, ben, quoi quoi ça va, quoi quoi, mis solo, y a soda. Y a mon équipe comme ça, enveloppe salariale là-bas. Parce que tant mais je vous dis, le travail est en train. Soldat salaire. Soldat salaire, oh, il y a un premièrement, soldat tenu à la tissu. A tika gola ta kito bongote. Fallait-il à la tissu bongote. Soldat salaire, il y a un sikoyo. Abonné au songo bongote. Félix, c'est que nous avons matisé bon salaire. Si vous avez un bongote, combien? Moi, un soldat, oh, il y a un marginalisé, il y a un kouluna. Le lot a commis un service national. A tongi bécole. Le loyo a sali bilanga ezo kolesa mboka mbo. Moi na soda wa. Bande ko balobi, ba ko sepena Félix c'était pour. Oui. Aujourd'hui passe ma soda, passe ma veuve, o bande ko futa ma 40 000. Mais le loyo tane mi soda ngwe mati. Combien? Ah. Mais yo plus de 250, nous plus de 250. Plus de 250 000 francs congolais o bande ko futa bango. Est-ce qu'au monde rassou sous blessé de guerre au tourné au monde ne basant du coup le bar au temps le bar au sénat à sénat? Tilé le bassin. Non. Tilé l'eau. Non, s'il vous plaît. Même aux États-Unis d'Amérique, il y a des mendiants.
Même en France, il y a même aux États-Unis d'Amérique, il y a des mondiaux. Même en France, il y a des mondiaux. Mais pourquoi pas ici au Congo? Les pays en voie de développement avec la volonté politique du chef de l'État. Mais la grande majorité, ils ne sont plus là. Sois consciente, madame. Sois reconnaissant. C'est à travers la volonté politique. Parce que l'encadrement de Bango, c'est Bango en charge. Bango en charge, madame. Bango en charge, 5 000 francs de Bango. D'accord. Je sais que ça n'a rien à voir hein, à un sujet. Mais pour dire que défense et Salim Moussala et Malamo, aujourd'hui notre armée est septième, aujourd'hui notre armée est en train d'être armée, d'accord. Aujourd'hui les réformes au sein de l'armée, aujourd'hui avec la loi de programmation, il y a armée, tout ça est Salim Moussala Malamo, au Tata Mokonza Mboka, en tant que commandant suprême, Nanzela, il y a premier ministre, puis il y avait pas ma défense, Mobayimoto. Aujourd'hui, ça va. Donc, tu as un deuxième premier ministre, tu es pardonné. De quoi qu'elle est, chez Géo, tout le monde a rembangé partout, par-ci, par-là. Est-ce que Ebi Kebango dit que ça bombe à retardement? Tu as finalement, tu as remarqué, en tout cas, constant dans la salle, tu as commis tellement de belles, de cas à l'époque. Congolais. Finalement, Bino, vous réfléchir comment. Pour l'avenir, il y a Banawana, autres hommes dans Bangui, les belles Nanzela. Un jour, Bangui va côté les Malisusu. Bah ça, la bataille va désordre dans Mboka, parce que déjà, na Kitambo, tout le monde en Rabangui, bah c'est belles places sont dans la Kitambo. C'est quoi, Bino Batubozo aspirer au comme député. Résolution ni ni Bozo pour la Banawana. Na pèse, merci beaucoup, na bande gonyo soit le Kunga. Oh bandimi, si vous pouvez être qui ne co-représente Bangui. Merci beaucoup Nabana Monga Fula parce que à travers notre communication aujourd'hui Liboulo ya Kindele ezipami ndile koti aujourd'hui Liboulo za na télécom à travers notre communication ezipami aujourd'hui Liboulo a dimeze ezipami na communication na biso mokonza mboka yo ki misale salami bana wala bazola la libanda pe na ti lelo résolution de zomate bisayo likambo moko c'est ce qu'on appelle de l'encadrement de la jeunesse OK alors aujourd'hui à travers la francophonie nana ndimeke que RDC ko ki komisa ba médaille et belé boy à travers la jeunesse congolaise 34 hein seulement ah ouais. Seulement kasi mbala nango ya yambo e kei na masano wana ezu 34 seulement madame matoza la reconnaissant ko c'est à travers l'encadrement de la jeunesse qu'on équipe la jeunesse qu'on pèse à bango musala qu'on valorise ba type ya misala moko songolo pakala pour que baye batte kaka ke pona za la moto c'est kaka nga funa kina na fana na biro tonga na simba micro lokola maman na biso simi maman asimi micro ko batte ata ko na nzela ndembo ata ko na nzela ya GD6 ata ko na nzela ya nage. Attaque on a dit là ya handball na kozala pe moto parce que mboka na biso aujourd'hui est valorisé ba jeu wana vous comprenez aujourd'hui c'est ce qu'on dit que à travers l'encadrement des jeunes on a biso qui la pèse donc on a biso na général que son kabuki na service national donc nous sommes en train de travailler comment récupérer ba jeunes nyonso wana o ba qui délaissé pendant plus de 18 ans. Oyo ezali bana oyo bazaki babi bilenge lolo bakomi mikolo biso nde siko tozali kotrouver nde koluka nde kotrouver solution na ba problème na bango na ndenge nini kotinda bango na service national yo na bibi esengete ba pesa misolo ebele na service national esengete ba tia misolo ebele na ministère à jeunesse ozomo. Pourquoi? Parce que c'est à travers l'ande bako orienter bako za bako bana ko encadrer ba jeune à travers misala songolo pakala pour que bazala utile na mboka na biso na menuiserie loko na ndenge ezo sama service national na bila mama moni bilange zali eloko moko motuya tongo zo mona lelo yo dossier ba tongo musu ba matata poni mais bazali ba criminel économique mboka oyo loko ba matata poni avec son autorité morale Kabila soki bukangalonzo wana esala makab malam depuis de 245 millions ekenda mais lelo tozo ko lelanza mais ali ango ye morote hein mais kasi yena nunde gestionnaire bazui bato baliana e bazape na gouta mais yende siko akende kotanga bangote yende siko yo akende liboso ya zuzi atwanga la lobie lote ya ona lobake les criminels économiques matata ponyo kende liboso ya zuzi na yo naturel o zali cour constitutionnel ya ona zo est-ce que yo vous mozana conseil à malam ba avocat à malam parce que un avocat c'est un avocat conseil. D'accord. Comment bazako linga ko kosa yo ba iso ke yo o zana juge naturel était cour constitutionnel mais tu es le premier mitanga article 164 de la Constitution. Voilà, on va terminer, hein? Mais on va terminer hein? Avec. Mais comment est-ce que vous avez tout ça? Mais aujourd'hui, service national, on a lancé.
Combien d'hôpitaux vous avez ciblés déjà? Maman, tu as l'air de maman, tu as l'air de Fati Béton. Combien? Tu as l'air de maman. Mais tu as l'air de bâtiment, il y a un hôpital cinquantenaire. Bâtiment, c'est là. Tu as l'air de réhabiliter. Oui, mais c'est là. Oui, mais c'est là. Mais maman, elle a construit un cinquième. Il y a un réhabiliter bâtiment, il y a un hôpital cinquantenaire. C'est une volonté politique. Maternité gratuite. Mais maman est moi saliwa. Le lot bazako réhabiliter, bazako réhabiliter mon hôpital. Donc moi 60 ans à Lukunga, il faut que botaka la maman. Bazali ko babandi déjà na réhabiliter hôpital maman est. Tant ba osimba kitamo tous les hôpitaux publics et eux ont réhabilitation pour na ko faciliter ba maman na biso ke bot. Au moins biso ba maman a biso ka bana ko botana carte de yandwa. Biso ngana bot mon na carte de yandwa. La carte des carte des ayants droit les ayants droit on a bien on les mais on comprend on monte maman dit vous allez pas dans les rues vous allez pas dans cala va toi cala les cartes des ayants droit donc fonctionnaire à l'État un fonctionnaire ce n'est pas une moindre personne mais Kabila comme ça fonctionnaire le quoi mouhumbu amboka mais y a des motos y a solo et singe t'es pas occupé mais mon compte amboka honoré bah non mon compte amboka tout ça honoré bangote bazon les la paix qu'on les ceux qui bazon qu'on maternité gratuite pour l'année ce temps bâti gratuité enseignement pour l'année tant aujourd'hui au bazon comment c'est bon salaire aujourd'hui bah fictif nion sowana maman Obi combien d'effectifs est-ce qu'il y a ta fonctionnaire la finance soit doté comme on a qu'à bango on a bâti les bazon les merci beaucoup chez la lingette la moussa zali kosa la kata IGF merci beaucoup parce que à travers patrie financier oh IGF zali kosa IGF le comme le coup là il est quoi si kana mboka na biso IGF ça yaka mais mon compte d'abord a réhabilité IGF mon compte d'abord a réhabilité Koukou il y a moi ils aient comme ça mais c'est pitou merci beaucoup nous sommes pas qui mis sur la bouche moyen chef de l'État moyen fonctionnaire à l'État azwa mis sur la malam exacté il y a moi aujourd'hui système à carte des yandres zonga biso biso papa la biso maman biso abota biso sur la clinique ngalema mais juste qu'on a dans un moment et à kabili yo que bota clinique on a combien mais biso to bota mon clinique ngalema na carte des yandres. Mais il y a un monde qui a fait un mot de la fin. Il y a un monde qui a fait un droit à un Congolais. Mot de la fin. Vous êtes candidat dans le Lukunga. Maman, oui. Ça, je n'ai pas adressé. Il y a des personnes qui ont fait une dénonciation de ma casse à fraude électorale à travers Martin Fayoulou. Oh. Escroquerie politique, Martin Fayoulou, tika escroquerie politique qui vient dans Gaï. Ah, c'est ça. Il faut changer de. Hein? Viens dans Martin. Tika escroquerie politique. Oh boy ma pona, nous t'appelons ça qui autre, yo mon boy. On vit parce que on a le goal à 5 à 5 en 2006. Et ça tourne en politique. Nous t'as gagné dans ma case c'est ça. C'est ni déjà ici à clôturer, bah liste, bah parti politique, là bah règlement politique, oh bah atteindre seuil de recevabilité. C'est ni ça clôturer. C'est ni déjà ça clôturer. Réception, y a bah candidat, bah candidature, bah députation nationaux. Dans ma provinciaux, c'est ni ça clôturé. Mais boni Martin Fayoulou dimanche au truc au Legasangi si bateau na Fikim. A bengi ba candidat azo ba dossier, azo na mutu moko asenya azani na kati wana, ba ekote ba dossier na seni. Ba kongomani bo fungola, bo tala escroquerie politique à Martin Fayoulou. Ya mona interpellé président ya seni ndeko Denis Kadima. Martin Fayoulou ndeko critiquer yo fraude électorale. Azo c'est la fraude électorale à travers un membre ya seni moko. Oh, il a discrédité le processus électoral. Oh, ils ont la crédibilité dans go. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique vous soutiennent. Mais bien au moment de vous bander. T'as la liste. Non. T'as la liste. Oui, bah, on a pas la liste. Même y a moi, Alingi a son dossier. Pour parti politique, Martin Fayoulou, ils ont listé. Martin Fayoulou a le droit de se représenter le rôle de candidat président de la République indépendant. Jamais n'a combo à partir de ici parce qu'ils ont repris la liste. Voilà. Jamais n'a combo à la mouka parce qu'ils ont repris. Mais, nan yango alingi azong sa Martin Fayoulou na course, oh, yé moko abandonna kiango. Voilà côté SID. C'est très important. Oui. Yamon a d'abord eu ça, président Seni Denis Kadima, balingi ba salir yo à travers ce qui kaka ba candidat à Martin Fayoulou, parti à Martin Fayoulou, ton règlement est commis parmi ba règlement politique, oh, ils ont retenu. Au cause de la discrédité, balingi ba salir yo
fungola miso tala entourage na yo nani yango azosala ge wana akota Martin Fayulu na na niveau national ba députation na pe provinciaux. D'accord. C'est très important. Okay, merci. Mais à part wana biso zali bato to ndima mi déjà na kata lukunga na ebiso maman j'étais élu en 2018 avec 7500 voix. Bazo esika na bakabela mo. Osomo. Alors aujourd'hui la confiance on a à travers notre communication c'est que deux français il y a peuple. Parce que biso to mimaka ba déshydrata. Ton na ebiso yo okaki ba isabino ke moko ko bomba lesoute. À travers ma boule à mon gafou là, à travers ma boule à Ngaliema, à travers Kanouka. Banakanouka, je fais des disciples à Bino. Toganga qui te lobby, mon condamnant, Kayo qui t'a le local ou que je pont. D'accord. Siko Batouana, Babike, Maître Pichu Malou, ton te pèse confiance. Ok. Voilà la pongi qu'on a été. Mais avant nous, est-ce que Motoloko en gaffe, Motoloko en gaffe, pongi, pongi, c'est 4 ans et 4 ans à 4h45. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Pichu. Merci beaucoup, la confiance au Bazago Pessan. Maître Pichu. Parce que nous allons candidat. La nationale et la provinciale. Merci. Provinciale dans Mongafoula, nationale dans le Congo. En tout cas, merci. Parce que le Ngonia, la communication à Mokonda Mboka, oh là, je vois par ricochet Dr. Kankonda, je vois les distingués maîtres Libéné. Donc voilà un peu. Et sans oublier le président du Seye, évêque général Yaïdja Kalakala. Merci. Merci beaucoup, Kanda. Merci, Nabino Pebandeko Bolandi Bisso. Merci, Nandeko Azaki Simaya Kamera. Et puis, merci, Nabandeko. Journaliste, Moussou Bazalakia, Tokutani Bongo. Prochainement, mais d'ici là, likez, partagez, je ne sais pas comment vous allez faire, mais faites l'un des autres. Au revoir.